Hello les gars, ici Esther Model. On se connaît pas encore, je ne vous connais pas encore, mais on va apprendre à se découvrir. Du coup, je m'appelle Esther, j'ai 23 ans et j'aime une chose, c'est kiffer ma vie. Et là aujourd'hui, notre première vidéo, elle va parler de quoi? De comment j'ai réussi à perdre plus de 25 kilos en 5 mois. C'est pas fou ça? Allez, venez, je vais vous expliquer le tout. Alors rentrons très vite dans le vif du sujet. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un régime qu'on appelle le régime keto en anglais, cétogène en français. Je l'ai fait pendant une période de 5 mois. J'ai commencé pendant le confinement, en fait, au début du confinement. Franchement, la vérité, je vous dis, je me voyais manger. Et je pense qu'on a eu tout ce sentiment, en fait, pendant le confinement. On mange ce qu'on n'a pas l'habitude de manger. Et on est tous rentrés chez nos parents, on est avec des amis. Donc, on boit, on mange des choses qui ne sont pas forcément dites healthy. Du coup, je me suis mis en quête de trouver un régime, un mode de vie, un régime alimentaire qui, du coup, était facile à faire et que je pouvais, dans lequel je pouvais m'adapter facilement, sans forcément me restreindre, manger que de la salade ou des choses dites healthy, que des fruits et en fait, au final, ne pas être satisfaite et avoir toujours faim. Moi, c'est pas mon but. Du coup, j'ai retrouvé ce qu'on appelle le régime cétogène. J'ai commencé par regarder des vidéos sur YouTube, pas mal de vidéos sur YouTube, et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des pertes de poids impressionnantes suite au début de ce régime. Du coup, moi, confinement, rien à faire, qu'est-ce que je fais? Et je me dis, Esther, fais keto. Du coup, je me lance dans keto. Les gars, incroyable. Le premier mois, je perds 10 kilos. Alors, il est vrai qu'au début, on perd de l'eau. C'est de la water weight. C'est ce qu'on appelle water weight. C'est ce que tu perds. Donc, c'est 10 kilos. Peut-être que dans ces 5 kilos, il y a de la water weight. Mais je peux vous garantir que quand vous perdez 10 kilos en un mois, ben, qu'est-ce que vous faites? Vous continuez. Alors, au début, je ne m'en rendais pas compte. C'était les gens autour de moi qui m'en parlaient. Oui, oh Esther, t'as maigri. Oui, qu'est-ce que tu fais? Et en fait, progressivement, quand vous prenez des photos, vous savez, votre avant-après, vous vous rendez compte en fait des résultats que vous avez et de tout ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Et du coup, ça fait 5 mois que je le fais. Et en tout, là, je suis à une perte de 27 kilos. Et c'est pas négligeable. J'ai commencé mon IMC. J'étais dans la case en surpoids, limite obésité. Là, je suis retombée dans un IMC normal. Je ne suis plus en surpoids. Je ne suis plus... je suis normale, en fait, tout simplement. Voilà. Là, je suis en train de me perfectionner. Je continue keto. Je continue le sport. Là, je suis en train d'essayer d'atteindre ce que j'aimerais atteindre. Au niveau de mon physique, j'ai pas un poids spécifique à atteindre. En revanche, j'aimerais avoir un certain type de corps musclé, être en forme. Voilà, je fais beaucoup de sport aussi, pas mal à côté. Donc pendant ce régime, j'ai fait pas mal de sport. Voilà, mais il faut savoir que dans keto, vous n'êtes pas obligé de faire du sport. Ce n'est pas une obligation, comme vous le savez. Quand vous faites un régime, il y a 80%, c'est de l'alimentation, 20%, c'est du sport. Donc moi, je fais du sport vraiment pour me tonifier, pour garder du muscle. J'ai pas envie d'avoir une peau toute flasque, d'être relâchée. Donc voilà pourquoi je fais énormément de sport à côté. Alors, je ne fais pas des séances de sport, de musculation, de malade. Tout simplement, quand j'ai commencé keto, j'ai regardé, vous savez, les petits tutos, des youtubeuses, des fitness girls, voilà. Moi, je suis pas mal Chloé Things, donc j'ai fait tous ces entraînements, tous ces trainings. Et franchement, on voit les résultats y sont. Et j'aime, et je valide. Du coup, qu'est-ce que c'est keto? Rentrons dans le sujet. Keto, en gros, c'est un régime faible en glucides, donc c'est ce qu'on appelle le low carb, et élevé en graisse, mais uniquement des bonnes graisses. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pendant keto? Consommez uniquement 20 grammes de glucides par jour. Qu'est-ce que c'est les glucides? Donc, tout ce qui est en fait sucre, féculent, voilà, toutes ces choses-là. Donc, vous allez éliminer les pâtes, le riz, le pain, la farine de blé, toutes ces choses du quotidien en fait que vous avez l'habitude en fait au final de consommer, vous allez les rayer de votre vie et vous allez commencer à rentrer dans un mode de vie où vous allez consommer uniquement des légumes. Alors classiquement en fait dans keto, tout type de légumes est autorisé à part certains qui sont plus ou moins élevés en termes de glucides comme les carottes par exemple, mais vous allez consommer exclusivement des légumes avec tout type de viande, parce que ce qui est cool dans ce régime-là, c'est que vous pouvez consommer des viandes dites grasses. Exemple, entrecôte, côte de bœuf, toutes ces viandes, vous avez le droit de les consommer quand vous faites keto. Mais dans un régime traditionnel, vous n'avez pas le droit parce que c'est des viandes grasses, très caloriques, etc.
Vous avez le droit également de consommer tout type de poisson, le saumon, de la dorade, etc. Et tout ce qui est œufs et certains produits laitiers. Vous avez même le droit au fromage. Mais le fromage, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Moi, je suis une personne qui adore le fromage. J'en mange tout le temps. Et vous avez le droit également à la charcuterie. Bien sûr, il y a des choses que vous avez le droit en quantité limitée, comme certains alcools, ce qui est tout à fait normal. Il y a certains alcools que vous ne consommerez plus du tout. Et il y a certains alcools que vous aurez le droit, mais de façon à quantité limitée. Je parle par exemple du vin rouge sec, je parle du vin blanc sec, et tous les autres alcools, on va dire les hard, vous les consommez en fait, mais plus avec des sodas. Vous devez uniquement les consommer de façon pure. Voilà, donc en gros, c'était ce que je voulais vous expliquer. Je voulais vous expliquer que c'était keto. Et il faut savoir que dès que vous commencez keto, votre corps, il va se mettre en mode cétose. Ça veut dire que il va se sentir en manque de sucre. Il va tellement se sentir en manque de sucre, en fait, qu'il va commencer à les puiser dans vos graisses pour aller chercher son énergie. Et c'est pour ça que keto, c'est un régime élevé en graisse et très faible en glucides. Donc, c'est vrai que d'habitude, un humain normal, quand quelqu'un va être un peu fatigué ou va se sentir mal ou sa tête va tourner, on va lui donner du sucre. Quand quelqu'un s'évanouit, on lui donne du sucre. Pourquoi ? Parce que le sucre, ça provoque un pic d'insuline et forcément, vous retrouvez de l'énergie directement. Mais en fait, votre corps, il faut savoir qu'il peut carburer avec les bonnes graisses que vous allez manger au travers de keto. Donc, par exemple, dans keto, vous avez le droit à l'huile d'olive. Vous n'avez pas le droit à l'huile de tournesol naturelle, mais à l'huile d'olive. Vous savez, c'est des bons gras. Au saumon, le saumon, c'est gras. L'avocat, contrairement à ce qu'on croit, c'est très gras et c'est très calorique et c'est des bonnes graisses qui permettent, en fait, à votre corps de fonctionner très bien. Et ce qui est génial avec keto, c'est que, franchement, comparé à mon alimentation d'avant, bon, moi, j'étais étudiante, vous savez, voilà, là, je viens juste de terminer mon master. Là, j'ai un an un an probatoire pour trouver ce que je veux faire, entre guillemets, pour faire un stage ou autre. Pendant ma vie étudiante, ça m'arrivait des fois, avec mes copines, pendant 2 jours, manger McDo du matin au soir. Et c'est pas normal. Voilà, on rentre de soirée, on est fatigué, on mange McDo. Le lendemain, on mange McDo. Et en fait, ça s'enchaîne. Ah oui, je rentre à la maison, j'ai la flemme de cuisiner, je mange. Mais non. Là, je vais vous montrer une photo avant. Voilà. Et là, une photo après. Vous voyez bien la différence. Je suis très contente d'avoir adopté ce mode de vie. Et je suis contente d'avoir eu ce déclic. En fait, comment j'ai eu le déclic? Je regardais une vidéo de moi en soirée. Voilà, j'étais en soirée. Du coup, j'étais là en mode, ah ouais, Esther, t'as un gros ventre et tout, comment tu peux en arriver là? En fait, j'avais le seum de mon ventre et j'étais pas contente, en fait, d'avoir un gros ventre comme ça. Et du coup, je me suis dit, Esther, fais un régime, fais du sport, c'est la base. Donc, j'ai commencé par keto et j'ai continué en faisant du sport et ça se passe excellemment bien. Ce mode de vie me satisfait pleinement. Je me sens pas en régime, en fait. Je l'adapte plus comme un mode de vie qu'un régime. Je le vis très bien et je suis ravie et heureuse. Je n'ai plus faim entre les repas. Je ne suis pas toujours en train de grignoter. Vous savez, quand vous mangez normalement ou de façon grasse, de fast-food, vous allez manger un McDo, mais 2 heures après, vous allez avoir un petit cru, vous allez avoir envie d'avoir quelque chose. Eh bien, moi, je me fais mes gros plats, je mets plein de légumes, et c'est des plats bons que j'aime faire. Je prends plaisir à cuisiner, en fait. Donc, vous allez kiffer. Vous allez ne plus avoir faim, en fait, entre les repas. Et je le vis extrêmement bien. Je suis pas la meuf qui dit « Ouais, je suis en régime, je mange de la salade tous les jours, je mange que des fruits. » Ben non. Je mange du fromage, je mange de la charcuterie, je mange des viandes, des bonnes viandes que j'aime et je me fais plaisir. Là, actuellement, je suis en vacances. Ben, vous voyez, je continue keto, je fais toujours keto, mais je mange à ma faim et je mange des spécialités. Là, je suis en Grèce, je mange des spécialités grecques. Et il y en a plein qui sont cétogènes, voilà, tout simplement. Je peux goûter leur viande, je peux goûter leur poulet, je peux goûter tous leurs légumes. Et ça, c'est cool. Donc, voilà, les gars, c'est ce que je voulais partager avec vous pour ma première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vais essayer de vous mettre la liste juste en bas de la vidéo de tous les aliments que vous pouvez manger dans le régime keto.
Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que c'est un peu plus long. Mais on va écourter cette vidéo, je ne vais pas trop vous saouler avec. J'espère que vous avez kiffé, en tout cas, le contenu de la vidéo. Et voilà, je vais vous mettre aussi après des exemples de plats que je prépare à la maison. Parce que Keto, il faut savoir que c'est un régime où on prépare énormément aussi. Bon, vous pouvez manger dehors, il n'y a pas de souci. Mais vous n'allez pas toujours acheter des plats préparés. Déjà fait, c'est mieux de les faire soi-même. Et vous allez découvrir de nouvelles recettes, vous allez apprendre des choses. Et ça part de là. Donc voilà, j'espère que les gars, vous aurez kiffé cette vidéo. Je vous mets ça juste après. Et à très bientôt. N'hésitez pas les gars à vous abonner à ma chaîne, à la partager. Parce que du très lourd arrive. On est ensemble. Ça part de là.